plus souvent parce que c'est bien, tu recadres bien et tout. Non, non, mais c'est vrai, hein. C'est bien beau, on regarde le concert, on se marre, un moment où. Ah, bah, on participe. Faut se lâcher un peu quoi. Ah. Alors bon, on va pas y aller comme des bourrins parce que. Tout ça, tout ça. On va essayer de faire des petits exercices vocaux afin de préparer nos cordes vocales à chanter atrocement. Atrocement. Il y en a qui chantent faux dans la salle. Hein. Ouais. Est-ce que tu as 2, 3, 4, 5, 6. On en a quelques-uns qui chantent. D'accord, ça va. Il faut toujours en avoir au moins un ou deux, puis après ça devient contagieux. Allez, hein. Voilà, attention. Mais c'est pas gardé, je compte sur vous. Ça fait longtemps. Hein. Je passerai dans les rangs pour vérifier, surtout sur le solo de la la la. Mais je ne voudrais pas en dire trop. Vous dévoilez le. Dans un petit bastring, délaissé de tous, accoudé aux angles, il cuve à sa mousse, rime sa détresse, hésitant à prendre une pinte de Guinness avant de se pendre. Dans un dernier élan d'optimisme éthylique, il se lève lentement, éveillé par la zic, il gueule à tue-tête, en versant son boc, hurle comme une bête, et couvre le jukebox. Hop, 3, 1, 2. Il chante. Personne ne supporte. Il chante. Qu'il pousse la chansonnette. Il chante. Il se fait foutre à la porte. Avant de faire foirer la fête. C'est encore pas mal juste. Ah, ah bon? Ah oui. Moi je m'applique, hein, mais c'est vrai que c'est encore un peu moyen juste. Hein. Juste, on n'est pas encore dans la douche qui porte plainte, si tu veux. Bon, à force de frustration, il décide un beau jour, poussé par la passion, prendre une guitare pour chanter dans les rues, y mettre un peu d'ambiance, peu pour dire qu'on afflue, apprécie ou danse. Quand on l'entend en public, on fuit, c'est normal. Il fait même éclater les verres. Il défrise les crépus, voire crève les tympans. Les gens n'en peuvent plus, ils se cassent en courant. Allez les gens, il y a 2, 3, 1, là. Il chante. Il danse des tomates. Il chante. Il chante des cailloux. Il chante. On lui file des coups de latteur. Picoler et chanter, il a peut-être tort de vouloir persister. C'est vrai de Pochetron, supporter de foot, fait perdre la raison à ceux qui écoutent. L'oreille est chantée comme Bruel, Pani, Maître Gims sous Renault. Mais il s'est rendu pour un port castré, qui les graisselles cassées et désaccordé. C'est fort, allez tout le monde. Il joue du sourd, car il hurle à la mort et rend les gens sourds. Pas mal. Il y a du progrès au fur et à mesure du morceau, on sent quand même l'évolution. C'est beau. Alors attention, comme je le suggérais tout à l'heure, petit solo de la 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 qui consiste à faire la la la. La 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 la. Alors c'est parti. 1, 2, 3, 1, 2, 3. La la. Petit tour de chauffe. La 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 la. Il chante. Il chante pour ce four, merci Dieu. Charlie lui en a la mort. Et rend les gens sourds. Merci à vous. Bravo. Très joli solo de la la la. Ah, c'est bien, c'est bien.
J'ai des acouphènes. Il était magnifique, c'était vraiment un très très beau sourire. Ouais. Bon, ceci étant fait, alors voilà, un morceau garantissant autotune. Ça fait pas mal non plus, hein, ça. Chanter des vraies chansons sans algorithme, c'est bien. C'est bien. Alors, puisqu'on est dans le naturel, autant continuer. Chanson à un artiste, hein. Grand artiste. Ouais, on aurait dû l'enchaîner en fait. Alors attends. On va refaire la fin, puis on va enchaîner, parce que c'est pas prévu, mais en fait, Arthur, il veut absolument faire la suite qui s'enchaîne. Alors attention, on va reprendre juste pour le fun. Et à la troisième, il chante. Regarde tous ses efforts, allez. Belle famille, j'ai croisé un sacré déjantine, un bon pochetron, un vrai cascadeur, le piton d'apic noyé dans l'alcool, faut dire qu'il tient plus trop sur ses crolles, après 10 litres de liqueur. Voilà Fernand Lature, qui se montre quand il spiture, ses cœurs ont blindé, l'on peut se scarifier, c'est le roi de la prise de risque, en pleine bouffée. Il fume des buzz dans les water closed, puisqu'ailleurs c'est pas autorisé. Quand il en sort les yeux globuleux, il a de la mélasse derrière ses corps. Le joint s'assèche, alors il piore. Les mélanges, c'est dangereux. Voilà Fernand Lature, qui s'entre contre les durs. Ses carreaux blindés l'ont tous scarifié. Tous ses neurones ont bien crampé. Évidemment, au bout d'un moment, c'est ça, c'est plus les gens qu'il a, c'est du flan. Commence alors le grand festival. Oh, looping fritone quand il est rôti, c'est plus de la cuite, c'est de l'acrobatie. En plus, il se fait même pour même. L'ont tous scarifié, sa médaille d'or, il l'a bien mérité. Mais va savoir comment qui filoche pour toujours se montrer sur la caboche. À chaque fois, c'est ses jumelles qui prennent. Il doit confondre l'herbe et le pare-brise. En verre de trop, bah, une cicatrice, ça dérape avant qu'il freine. Voilà vraiment la qu'ils ont de grandir, c'est dur. C'est qu'à vous l'avez, l'on peut se carifier. C'est Rémi, Julienne, les deux vrais noms.